Bon, ok. Fait que dans cette vidéo-là, on va vous montrer comment utiliser les petits wagons comme ça et les ferrules. Fait qu'en premier, comme toujours, on dégaine notre fil. Attendez. En premier, bien sûr, en fait, on va regarder la longueur qu'on a besoin. Il est écrit 10 mm par centimètre, on se rappelle. Fait que là, tu mesures. C'est environ ici. Fait que là, on va dégainer ça. Parce que j'aurais pas oublié, mais c'est pas grave. Comme ça. Après, on twist comme d'habitude. Puis là, on a notre ferrule. Là, on a un gros, mais d'habitude, vous allez utiliser les plus petits comme ça. Là. Ils sont un petit peu plus petits, comme vous pouvez le voir. Là. Là, c'est juste qu'on a un gros fil. On le met dedans. Comme ça. On prend cette pince-là, qui est très, très simple à utiliser. On rentre le bout, pas le bout rouge, mais le bout métallique dedans. Puis on serre. Et tabac! Comme ça. Fait que là, ça va ressortir tout crimpé de même. Parfait. Fait que là, c'est de la misère à sortir. Là, c'est simple. Ça, on ouvre la petite, comme ça, la petite barre. Là, tu rentres jusqu'au bout, jusque le plus que tu peux. Et on ferme. Fait que là, il va être bien installé. Juste important que tu mets tout le temps la même polarité. Donc, mettons, là, ce serait juste des positifs. Mais tu mets pas positif avec négatif, sinon, ça va mal aller.